toutes ces hypothèses, c'est-à-dire la première, il y en a trois. La première, il y aura un détournement. Cet avion est détourné, mais il a une autonomie de 10 heures. Donc cet avion est forcément, à ce moment-là, s'il est détourné, il est posé quelque part. La deuxième hypothèse, c'est une brusque dépressurisation avec, disons, une explosion de l'avion. Et là, il y a deux voies de recherche. La première, c'est soit une cause mécanique, porte de soute arrachée, un morceau de la cellule qui a cédé, c'est-à-dire on pense, comme il y a une aile qui a été réparée, est-ce que ça n'implique pas qu'à longue échéance avec les fatigues, un morceau serait parti, et auquel cas l'avion est incontrôlable. Et puis la troisième hypothèse que l'on peut avoir, bien sûr, c'est l'attentat lui-même, c'est-à-dire l'explosion d'une bombe dans une soute. Mais là, en termes de déroulement, quand il y a un drame comme ça, normalement, on a justement accès à ces informations dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est quand même quelque chose d'un petit peu étonnant, en fait, qu'on n'ait pas justement accès à ces données de maintenance, à ces données transmises par... Il faut comprendre. C'est quelque chose qui est un petit peu douteux derrière, ou bon, ça peut se passer comme ça. Parfois, c'est long d'avoir accès à ces informations. Alors, je vous dis, il y a des gens qui savent, forcément. C'est les gens de la compagnie, c'est le contrôle aérien. Il y a des gens qui savent, qui ont tout ou partie de ces informations. Mais on comprend aussi la prudence de ces gens-là pour donner en public, et surtout, supposons que ce soit un problème technique sur l'avion, vous imaginez bien que la société Boeing et même la Malaysian Airlines, qui a la réputation d'être une compagnie très sérieuse pour l'entretien de ses appareils, pour la formation de ses pilotes, ça ferait vraiment une grosse tache noire. Donc on peut comprendre, si vous voulez, la rétention d'informations. Mais de toute façon, cette information, elle va sortir. Il s'est déjà écoulé 3 jours.